partir la tronçonneuse. Voilà. Ça devrait être tombé. Non! Alors, hop, bah on va commencer à décharger ça. Voilà, parfait. Hop là, ça décharge. Ah, que c'est beau le déchargement. Oh, sans que le poids, ça bouge. Hein. Ça bouge pas mal. Voilà, parfait. Bon, on va avancer. Ah mince. Hop là. Allez, petit arbre, tombe, tombe. Attention, c'est bon.
ramasser ce matin les pierres déjà. Pas mal de pierres ici. Voilà, hop, on va activer ça. Voilà. On va se mettre ici. Et puis on va faire la chaux. Hein. Il y aura encore pas mal. Je vais voir si je dois passer un coup de culvé ou pas. Faut voir. On verra au moment de. Avant de semer, hein, je pense que je vais peut-être passer un petit coup de cerclase pour dire d'enlever tout ça. Ça sera peut-être plus judicieux. Hop, on va bien faire le virage. Voilà. Je pense que. Oh, derrière ça m'a l'air de. Ouais, non, ça a l'air d'être bien. Je vois au rétro là, c'est pas trop mal. J'en ai pas trop partout. Ah là, je dépasse un petit peu quand même, mais ça c'est pas grave. Voilà. Là, je pense que je suis pas trop mal. Hein. Ça, on verra au retour. Hein. Si j'ai bien travaillé ou pas. Normalement, je pense que ça doit être. Ça doit être assez. Ça doit être bien. Là, là, on va prendre un peu plus large comme ça pour bien faire le bord. Voilà, parfait. Parfaitement parfait, j'ai envie de dire même. Voilà. Tac, on va aller jusque là et puis on va faire les. On va faire la petite manœuvre après. Voilà. Ah, j'en ai encore un petit bout à mettre ici. Voilà. Voilà. Voilà, parfait. Hop. Reculé. Et puis on va bien se replacer. Hein. Voilà. Tac, faut que je reste là à peu près. Ok. Bon, je pense que ça va être bien là. Ça. Il y a de la chaux. Du coup, ce champ-là, je pense que ça sera vers mars à peu près. Mars-avril où je vais semer en tournesol je pense. Ouais, je vais semer en tournesol ici. Je risque de faire oh mince, je crois que j'en ai pas mis assez. C'est monté là. Ah mince, j'ai plus rien déjà. Ah, j'étais pas sûr mais. Ah mince. Bon bah je vais appeler. Faut que j'appelle pour qu'on me ramène un petit peu. Bon. Bon allez, on arrive au champ. Hop, on va se garer là sur le côté. On va mettre les feux de détresse. Voilà. Hop, arrêtez ça. Tac. Ah, il est parti où? Il est parti? Ah, il m'avait dit qu'il y avait le chargeur en plus. Oh là là, mais comment on va faire pour mettre ça? Putain, mais. Mais qui est con celui-là? Bon, ben, je suis bon pour. Pour aller le rechercher, hein, ou bien on va mettre tout à la main, hein, c'est tout, hein, le choix à la main. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Franchement, celui-là. Oh là là. Oh, je vais déjà le détacher. Les sangles, peut-être qu'il y a peut-être un. Je vais essayer d'aller voir chez eux. S'ils ont pas peut-être un chargeur à nous prêter ou quoi. Bonjour, y'a quelqu'un? Excusez-moi! Excusez-moi! Y a-t-il quelqu'un? Personne ici? Ah parfait, merci. Bah du coup je vous attends avec avec le chargeur, comme ça on pourra mettre ça. Merci bien. Oh ça va, j'ai réussi quand même à avoir un chargeur à côté. Il m'a aidé à mettre les. Hop, on va remettre ça en route du coup. Il m'a aidé à mettre justement les big bags dedans. Donc bah parfait, comme ça je peux continuer à passer la chaux. Parfait. Franchement, très gentil cette personne. Vraiment très gentil de sa part, qui m'a donné un coup de main.
C'est parfait. Voilà. On va continuer tranquillement. J'ai pas rempli complet. Il m'a dit s'il y a encore besoin. Il n'y a aucun souci. Je toque et puis il viendra volontiers pour remettre le reste des big bags s'il faut. J'ai pas tout mis, on sait jamais. Après, il faut tout vider, faut tout revider et tout. C'est assez ennuyant. Donc, préférer mettre les 3 pour l'instant. Je pense que 3 déjà, on va aller loin. Il n'a pas manqué grand chose. Hop. Hop. On va passer un petit coup là. Oui, il en manque un peu. Voilà, parfait. On va faire demi-tour. Voilà. On réactive. Parfait, on voit un petit peu au rétro là. Par contre, je sais pas pourquoi il se redérègle à chaque fois. J'essaie de bien le régler, mais à chaque fois il se redérègle le rétro. J'arrive pas bien à le régler comme il faut, hein. Je sais pas, c'est bizarre. Il y a du jeu dans le rétro, donc après c'est pas un tout récent non plus, hein, ce tracteur là. Donc voilà, on n'y peut rien. On fait avec les moyens du bord, comme on pourrait dire. Voilà, hop. Voilà, si je suis sur la droite, ouais sur la droite, allez. Je vais rester sur la droite et puis je ferai encore un aller-retour, je pense que ça va être bon après. On va pratiquement être bon là. Voilà, ça c'est parfait ça. Ça c'est beau ça, ça c'est comme on aime ça. Par contre, si j'ai oublié de les désactiver, ça va pas aller. Parfait. Voilà. Hop là. Allez, encore un aller-retour. Enfin, un aller normalement. On va pas être trop loin de la vérité, je pense. Ouais, encore quand même, peut-être encore un petit passage à faire quand même. Hein. Bon, on va aller par là ce coup-ci. Bon, moi, comme ça, là, le champ, ça devrait aller. Il sera bien prêt pour la prochaine culture. Bien nourri la terre, ce sera parfait. Voilà, hop, et le petit dernier passage normalement. Par contre, le tracteur il va être très sale là. Oh là, là. Qu'est-ce que j'ai horreur de la chaux en plus, ça bouffe tout des joints et tout. C'est horrible. C'est horrible la chaux, comment ça abîme tout là. J'espère que mon matériel en prenne un coup quand même. Bon allez, on va rentrer à la ferme et puis voilà. On est reparti, bon parfait, nickel. Donc, il va bien faire son travail. Hein. Il va attendre qu'il passe, voilà. Voilà. Bon. Est-ce qu'il va être enfin intelligent ?